Bonjour, président du FASO, Son Excellence, Monsieur Rochmar Christian Kabouré, président en exercice du G5 Sahel. Nous, jeunesse du Burkina Faso, jeunesse de l'Afrique toute entière, nous voulons vous demander une chose en tant que président du G5 Sahel. Si vous partez en France, que vous dites à cette France-là? Que nous ne sommes pas des anti-français. Que nous ne sommes pas contre la France. Mais nous sommes contre la politique France-Afrique. Nous sommes contre la politique des pillages de nos richesses. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays qui est riche a des populations pauvres? Parce que vous, Emmanuel Macron, et ceux qui vous ont précédé, vous avez décidé de nuire cette population qui est notre population, le Burkina Faso. Monsieur le président du Faso, Rochmar Christian Kabouré, nous sommes de cœur avec vous. Parce que vous êtes un patriote. Vous êtes un patriote. Et les valets locaux de la France qui se trouvent en Afrique, nous leur disons une chose. On n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous en Afrique. Que tout ça soit clair. Si vous partez voir ce monsieur, dites-lui en toute sagesse que nous, jeunesse de l'Afrique, nous n'avons pas besoin de la France dans nos territoires. On est capable de nous défendre, même au prix de notre vie. On est capable de nous défendre. Que la France ne revienne plus dans nos territoires. Qu'il plie ses bagages et qu'il quitte. Nous ne sommes pas contre la France. D'ailleurs, notez que je m'exprime en français. Si nous étions contre la France, je n'allais pas m'exprimer en français. Monsieur le Président, nous te demandons, en tant que papa, d'écouter les cris de cœur des fils du Burkina Faso. Nous te demandons, en tant que papa, d'écouter les cris de cœur des fils burkinabés. Si vous partez rejoindre ce pauvre monsieur-là, dites-lui que nous sommes d'accord pour qu'on change nos réformes. Que l'argent de l'Afrique soit fabriqué en Afrique et non pas en France. Que les peuples africains se sentent être valorisés et non pas être minimisés par qui que ce soit. Vous n'êtes pas plus intelligents que nous, les Blancs. Vous n'êtes pas plus intelligents que nous. Vous utilisez vos armes pour nous nuire. Et nous disons que maintenant nous sommes à la fin des choses. Cette France qui a tué nos grands-parents, qui a vendu nos grands-parents comme des ânes, des animaux, des bœufs, qui a colonisé nos présidents, qui a pillé nos richesses pendant près d'une décennie. Je m'excuse, pendant près d'un siècle, vous nous avez pillés. Nous ne sommes plus d'accord avec le néocolonialisme. Vous tournez autour pour dire que vous nous soutenons, et pourtant on sait que c'est vous, vous financez ces gars-là qui sont en train de nous attaquer. Si vous, avec tout ce que vous avez comme matériel militaire, matériel financier, vous êtes incapable d'éradiquer ce mal, vous n'êtes pas honnête. Maintenant, le peuple africain dit que ça suffit. Monsieur le président du Faso, Monsieur le président de l'État malien, Monsieur le président de l'État nigérien, Monsieur le président de l'État tchadien, nous vous faisons un cri de cœur. Si vous partez, dites non à cette colonisation.
dites non à ce que la France fait aux États africains et nous allons vous soutenir. Mais si vous partez, vous pliez à la menace de la France, sachez que vous nous auriez derrière vos dos. Parce que nous ne sommes pas prêts à revendre notre territoire à qui que ce soit. On dit bien à qui que ce soit, nous ne sommes plus prêts de revendre notre territoire. Si vous partez en France le 16 décembre 2019, dites à ce monsieur-là que maintenant nous sommes à la fin de la colonisation. Nous sommes à la fin de la notion France-Afrique. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de cette France qui nous pille là en Afrique. Nous voulons une collaboration gagnant-gagnante. Président du Faso, nous sommes vraiment de cœur avec vous parce que vous avez eu le courage de recevoir des panafricanistes dans votre territoire. Ce que vos aînés n'ont pas eu le culot de le faire. Vous, Excellence Rochmar Christian Kabore, vous êtes l'incarnation de la jeunesse africaine. Alors, permettez-nous d'oser croire en vous, parce que vous allez dire en toute franchise à cette France-là que vous n'êtes plus d'accord avec la colonisation. Président, retour à l'intégrité de Thomas Sankara pour que nous puissions vivre dans la paix au Burkina Faso. Ce message adressé à cette France-là, dans la vie, parfois on vit en dents de scie. Et des fois on se sent trahi. Mais que cette France-là comprenne que nous n'avons utilisé que la ruse que le supposant médecin n'est servi il y a déjà 100 ans. Nous sommes pour la liberté de l'Afrique. La patrie où la mort nous vaincront. La patrie où la mort nous vaincront. Nias Di Faso à l'appareil, à vous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen.